Bon, et si on faisait une game clean pour une fois là? Là j'ai fait pas mal de limit tests. Quand je limit test, c'est toujours de la merde, c'est incroyable. What the fuck? Ils sont où? Ils sont top? Fais gaffe, il a rien. Elle me fait peur, elle. Ah oui, c'était obvious. Non, mais bouge. Mais what the fuck? Non, mais il a aussi hammer, c'est. Mec, je peux pas plus ping en fait. Mais je peux pas ping plus en fait. Elle voulait que je me batte en 2v3 avec elle, je comprends pas, genre. J'ai pas assez de mana pour all-in. La mana ne voulait pas venir. Putain, elle a 5 CS le top. 0-2-0. Peut-être qu'elle a mute mes ping, hein. Je pouvais pas vraiment plus l'aider là. Je sais pas si je devais écrire quelque chose. Mais what the fuck? Mais attends, elle me tue. Oh là 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 là. J'ai attendu pour me remettre invisible pour qu'elle ait un peu peur. Mais là le maître Yi me fait peur aussi quoi. Faut que j'esquive son E, c'est un peu chiant en vrai. Le sidestep est trop gros à faire en fait. J'avais pas la mana pour eux. C'était soit je faisais R, E, soit je faisais WR. J'ai préféré le WR. Là je l'ai engagé parce qu'elle était dans les distances, donc j'en ai profité pour attaquer les distances plus elle. Je sais pas s'ils ont contrôle ward ici, je pense qu'ils ont pas contrôle ward encore. Allez, peut-être, peut-être. 2 pour 3 en quoi? En 4v3? C'est pas mal, dommage qu'on ait un mec AFK ici. Bon, il faut que je fasse quand même super gaffe parce que il est sur 5 kill participation, le maître Yi. Le mien est sur 1 en fait. Et s'il y a une différence de jungle aussi insane, la game va être très, très dure si le Nocturne ne se réveille pas. Ouais, j'ai très, très, très peur de la jungle diff là. On va essayer de faire un 3 à la botlane, hein. Je vais pas jouer mid, hein, tant pis. Karma, non, pas de Q. Rien. Nocturne, 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 nocturne. Nocturne, 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 R. Non, c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais. Nocturne. Il est en cooldown. Quoi? Nocturne fait du hard engage. Il erre la Zoé qui n'a plus de flash, je le rappelle. Elle est morte. Nocturne est le plus gros counter de Zoé presque. Peux-tu erre? Non, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Mais putain, c'est quoi? C'est quoi ça? Je joue avec des gens qui n'ont jamais joué au jeu. Mais c'est qui ce mec? Diamant? Ce mec a atteint le diamant? J'attendais qu'il presse R pour qu'on aille all-in. Comme ça, le maître Yi aurait été déboussolé. J'aurais pu me replacer. Putain, ça m'énerve. Mais là, là, pour moi, il fait exprès de tout faire pour perdre, genre. Oh, ça m'a tellement énervé. Oh. Zoé qui n'a plus de flash. Dans un couloir où il n'y a personne. Je fonce sur elle, il presse pas R, il est là. Je vais
C'est trop dur. J'ai cru que LOL pouvait être bien, du coup j'avais oublié genre. On pouvait se taper des games comme ça. Ah non, le nocturne là, putain. Oh la différence de jungle. Oh, mais c'est un truc de ouf. Il a pas R une fois le nocturne. Ok, il a R une fois, my bad. C'est bon, 16 minutes de jeu, il a R une fois. Let's go. Non. R. Oh la vache, je vais péter un câble. Mais c'est un truc de fou! Ce mec a été diamant, il a été boost. Je vais péter un câble. Parce que j'ai joué avec un Nocturne récemment. Il faisait 2 ultimes par minute en fait. J'espère vraiment que... Limite c'est un viewer, non. Tu vois, j'ai jamais de viewer. J'espère vraiment que c'est un mec qui voulait me faire tilt. Et franchement, qu'on rigole, tu vois. Vraiment j'aimerais ça. J'ai pas envie de la jouer la game. Je le déteste. Oh il veut FF en plus, mais quel enculé. Oh putain, pourquoi j'ai regardé son prénom? Évidemment c'était lui qui voulait FF. Oh la plus grosse merde. Ah, ah. Il m'a fait péter un câble. J'ai jamais pété un câble comme ça sur League of Legends. Je n'ai jamais pété un câble comme ça sur League of Legends. Il m'a explosé mon cerveau, genre. Il appuie sur R, il y a du progrès. Faites gaffe, je l'ai. J'ai mon Zhonya, je m'en bats les couilles. Non, non, je sais que tu peux pas faire confiance à des alliés. Mais là, parce que c'est fun de jouer normalement, tu vois, t'es nocturne, normalement c'est fun d'appuyer sur R, tu vois, non, tu sais pas. Il va donner les resets pour Métreuil, il va tous nous tuer. Non. Elle me rend fou, genre. Ok, il est bot. Pas de vol de vie pour toi. Oh, comment j'ai gueulé dans le micro. Mais j'allais péter un câble. Le nocturne, j'allais péter un câble, mais... Je lisais une phrase du Nocturne, déjà qu'il veut FF, il spam les FF et tout. J'allais péter un câble. J'allais vriller. Le mot vriller. Allez, vite qu'on finit la game en vrai, on est trop con. Pourquoi on a pas essayé de finir la game? Et pourquoi on a pas fini la game? Je suis trop con. Mais ils ont tapé quoi mon équipe là? Moi je voulais les zoner. Bon. Bon. Ça va. Petit zigzag, j'allais péter un câble.
Et j'allais péter un cap cette game. Le Nocturna. Ouf. On s'arrête là les gens. Je me retape un joueur comme ça. Je fais... Le bureau il s'envole. Ah c'est lui mon jungler, j'avais pas vu son historique. Alors, diamant 5, diamant 5. C'est bizarre, c'est comme s'il avait acheté un boost pour être juste diamant, tu vois, mais pas plus. MVP Ace, presque toutes les games. Je veux pas faire de ticket, en vrai, j'en ai rien à foutre. Il explose presque toutes les games il y a un mois. Il y a deux jours, il a repris League of Legends, étrangement. Il ne joue plus du tout ses champions. Non, Flash a changé de touche. Oh putain. Non, c'est trop. Il achète plusieurs boosts, parce qu'en fait, il se fait boost au diamant. Il se dit, moi, j'ai le niveau pour être diamant. Là, il joue une game. C'est du gold 1. Ok, d'accord. Il y avait peut-être pas que du gold 1, parce que le matchmaking peut-être te fait jouer avec du... Voilà, il y a du plat 2, il y avait peut-être des niveaux diamants, etc. Là, il voit qu'il a pas du tout le niveau. Il ne fait aucun gog. Bon, évidemment, il sait pas jouer. Et il spam FF. Il spam FF. Il m'a fait vriller.